Aujourd'hui, Mario, on part en vacances. Est-ce que t'es content? It's me, Mario. Mais c'est incroyable. Eh oui, c'est incroyable puisque tout le monde est en vacances. Attends, tout le monde est en vacances? Les abonnés, vous êtes tous en vacances là ou quoi? Parce que moi, je crois que tout le monde est en vacances. J'espère que vous êtes en vacances. Hein. Si vous n'êtes pas en vacances, c'est pas normal. Hein, parce que moi, ça fait un moment que je suis en vacances. Bon, à ton avis, on part où, Mario, aujourd'hui? Peut-être en vacances. Eh oui, en vacances. Mais où en vacances, Mario? Je sais pas du tout. J'espère qu'on va aller à la plage. Eh oui, on va aller à la plage. On va aller à un endroit super génial. Écoute, prépare tes valises, prépare tout ce qu'il faut. Prépare les serviettes de plage, prépare les parasols, prépare la totale. On part en avion. J'ai préparé deux avions en haut de cette montagne. Et tu vas voir, ça va vraiment être incroyable. Puisque, eh bien, on va partir sur une île paradisiaque, Mario. En plus, j'ai acheté un maillot de bain pour l'occasion. T'as acheté un maillot de bain pour l'occasion? Allez, bah c'est parti, Mario, suis-moi. On va aller se préparer pour partir en vacances. Et tu vas voir, ça va vraiment être une destination de rêve. Ça va être une dinguerie, vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, dites-moi en commentaire où est-ce que vous partez en vacances, les amis. Dites-moi ça. Moi, je pense que je vais partir. Bah déjà, je pars en Belgique pendant quelques jours avec Twinner. Cheesenan avec voilà des youtubeurs, ça va être plutôt cool. On part en vacances quelques jours et aussi je vais partir en Bretagne pendant les vacances. Voilà, et bah dites-moi en commentaire vous où est-ce que vous allez partir, mais moi je vais faire un petit tour en Bretagne et du coup voilà, vous me dites ça en commentaire. Bon, je remercie du coup les nouveaux abonnés à la chaîne YouTube qui sont Tony CG, Stéphanie Roussel, Catherine Perrault, David Mention, Trevor Smith, Jennifer Marco, King Snipe, Amat Lee, Naël, je t'aime et Myrline Lapalme. Grosse dédicace à vous. Vous êtes les abonnés du 30 juin 2023. Vous êtes les derniers abonnés de juin 2023. Donc grosse dédicace à vous. Si vous voulez passer à la prochaine vidéo et avoir votre dédicace, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, les amis. Ça me ferait très plaisir. Bon, Mario, est-ce que tu es prêt à partir? Oui, je suis prêt, mais j'espère que ça va être un Airbnb de luxe. Un Airbnb de luxe, mais oui, t'inquiète pas. Sois un peu réactif, Mario, sois bien réactif. Bouge pas trop autour de moi, mais bon. Direction, eh bien, l'avion. On prend ma voiture, j'espère. Attends, est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas de voiture. Ah, oh, super. Super. Où est-ce que... Je sais... Ah, mais je sais où j'ai laissé ma voiture. Ma voiture, je crois que je l'ai laissée là-bas. Viens, Mario. On va prendre la voiture et on va aller en haut de la colline en voiture. On va chercher les avions. Et vous allez voir... Qui est le meilleur pilote entre nous deux? Voilà, qui est le meilleur pilote entre nous deux? Toi, tu t'as déjà piloté un avion, Mario? Non, jamais. Ça va être ma première fois. Ça va être ta première fois que tu vas piloter un avion? Oula. Oui. J'espère qu'il va pas se passer des dingueries, hein, quand même. Hein. Voilà, hein, j'espère que on va pas se crasher quand même, hein, Mario. Hein. Oh non, moi aussi, j'espère pas. Ah ouais, j'espère pas. Hein. J'espère qu'on va avoir assez d'essence, hein, durant le trajet. Parce que si on n'a pas assez d'essence... Ça risque d'être très compliqué. C'est vrai que j'avais laissé ma voiture ici. Je vole la Twingo. Non, prends pas la Twingo. Monte avec moi, Mario. Monte avec moi. Je préfère déjà que tu sais pas conduire un avion, au moins que bah, je t'emmène en voiture. Parce que si jamais tu sais pas conduire une voiture, là, ça risque d'être plutôt compliqué. Bon, voilà. Les avions nous attendent en haut. Et j'ai super hâte d'arriver au lieu paradisiaque, au lieu de vacances. J'espère qu'il va rien nous arriver. Parce que s'il nous arrive quelque chose, les vacances risquent d'être gâchées. Alors, on arrive en haut, c'est parti. Et normalement, les avions sont préparés eh bien, par là-bas. Voyons voir, est-ce qu'ils sont prêts? Non, ouais, voilà, regarde. Nos avions sont prêts, Mario. Regarde. Voilà, je prends le rouge. Oh, non, je prends le rouge. Non. Je prends le rouge. Ah, quoique, tu veux faire la plouf, Mario? Non, je veux pas faire le plouf. Tu veux pas faire la plouf pour savoir qui entre nous deux aura l'avion rouge? Non, pas la plouf. Moi, j'ai plein le bleu. Tu prends le bleu, mais tu sais, s'il est bleu, ça, il est à la couleur de l'eau, ça veut dire qu'il risque de faire plouf, Mario. Hein. Oh non, pas plouf. Eh si, il risque de faire plouf. Bon, est-ce que t'es prêt? Démarre les moteurs. Les amis, on démarre je les sais moteurs. Pas comment ça marche? Chut, Houston, est-ce que vous êtes prêts? Non, je déconne, c'est pas une fusée, c'est un avion. Bon, allez, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt à partir? Ok, j'avance, je commence. Ok, nous avons réussi à décoller. Bon, du coup, direction tout simplement les vacances. Voilà, on quitte la ville. Je sais pas où est Mario. Est-ce que Mario me suit? Mario, il me suit. Regardez, il est en altitude. Il est bien plus en haut de moi. Et regardez-moi ça. Direction les vacances, direction le soleil. J'ai super hâte. Bon, du coup, on se retrouve une fois qu'on est arrivé en vacances. J'ai trop hâte. Ok. Wow, mon avion. Wow. Ok.
Ok, les amis, je me suis crash. Ok, wow, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, faut que je remonte à la surface. Vite. Ok. Ok, voilà les amis, je vais mourir là. Oh, ok, mon avion a plongé tellement profond dans l'eau. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai cru voir une île là. J'ai cru. Ok, il faut vite que je remonte. Ok, je vois la surface. Oh, ok, mon avion s'est crashé au fond de l'eau. Ok, bon, qu'est-ce que c'est que ce délire? Regardez-moi ça, il y a une île. Mais où est Mario? Ok, les amis, je sais pas. Mon avion s'est crashé, je n'avais clairement pas assez d'essence. Oh, ok, regardez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un Skibidi géant TV. Mickey, attendez, waouh, j'ai plein d'eau là. Oh, j'ai eu super chaud. Ok, mais attendez, quelle est cette île incroyable? Regardez-moi ça, il y a un Skibidi TV géant qui est là. Les amis, on dirait que j'ai probablement atterri sur l'île des Skibidi. Ok, bon, je vais avancer, je vais aller voir c'est quoi ce délire. Ça me fait un peu flipper là. Ça me fait clairement un petit peu flipper. Ok, j'avance. Ok. Ok, j'espère qu'ils ont de l'eau. J'espère qu'ils ont de l'eau ou à manger. Oh, mais attendez, regardez-moi ça les amis. On dirait que ça c'est l'avion de Mario ça. Oh, mamie, Mario, mais toi aussi t'avais plus d'essence. Non, moi je me suis juste crashé. Tu t'es crashé, mais Mario, mon avion il s'est crashé au fond de l'eau là-bas. Oh là là, mais on est mal. Oui, on est mal, mais je crois, t'as vu où est-ce qu'on a atterri? Oui, sur une île, et j'ai vu quelque chose de gigantesque par là-bas. Eh oui, regarde. Pff, attends, cache-toi. Merci. Ok, Mario, je t'explique. Je crois qu'on a atterri sur l'île des Skibidi. Oh non. Eh oui. Non, pas ça. Oula, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue ici, c'est quoi ce délire? Oula, il y a plein de caca ici, c'est quoi ce délire? Viens, on s'éloigne d'ici, ça pue. Ça sent trop mauvais, par là. Mais attends, il y a des petites maisons là, il y a plein de petites maisons. Et ce qui me stresse, c'est cette immense Skibidi TV là. Il y a combien de télé? 1, 2, 3, 4, 5, 5 télé. Ok, viens. Moi, j'aimerais bien aller dans la maison pour voir si on n'a pas à manger à boire. Ah oui, viens, moi aussi j'ai super faim, viens. On va aller voir. Oh punaise. Attends, mais j'ai... Heureusement que mon avion s'est crashé dans l'eau et pas sur la terre ferme. Parce que sinon, mon avion aurait très clairement explosé. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, cette maison m'a l'air d'être inhabitée, hein. Ok, bon, je sais pas c'est quoi ce délire. Peut-être que... Il y a un Skibidi caméra juste là. Attention, regarde, il est juste ici. Ok, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Attends, regarde, là, on dirait qu'il y a une mine ou c'est un puits. C'est quoi ce délire? Ok. Alors écoute, Mario, on va le voir ou pas? Non. J'allais voir TV, moi. Ok, cache-toi. Attends. Oh, y a TV, t'es où? Il y a Skibidi TV juste là. Regardez. Va falloir vraiment trouver des gens pour nettoyer tout ce caca là-bas dans le volcan. Ah oui, vraiment, faudrait trouver quelqu'un. Ok, t'as entendu? Ils ont dit que, ouais, il faudrait trouver quelqu'un pour nettoyer le caca là-bas. Écoute. Peut-être que si on les demande et qu'on les aide, peut-être qu'on pourra repartir chez nous, Mario. Oui, mais moi, je suis plombier, je sais pas faire ça. Écoute, viens, on va aller voir, on va leur demander. Oh, salut, coucou. Oh, mais Calme-toi, Mario, on vient en paix, excusez-le, on vient en paix, Mario. Comment? Des poissons. Ah, des poissons. Vous avez l'air d'être affamé. Ça fait longtemps que vous attendez ici. Ouais, mais vous êtes... Ouais. Ça fait... En fait, on a eu un petit problème avec notre avion. En fait, notre avion s'est crash et le mien carrément a été dans... Est parti. Enfin, est dans l'eau. Je me suis crashé dans l'eau. Okay. On a trouvé votre île. Et en fait, on vous demande de l'aide parce qu'on aurait besoin de repartir rapidement sur notre... dans notre ville. Dans notre chez nous. Ah, ok. Bah alors, il faudra faire des tâches. Des tâches? Vous voulez qu'on vous aide, c'est ça? Bah oui, j'aimerais bien que vous nous aidiez quand même. On a beaucoup d'essence dans le phare, mais on vous le donnera que si vous acceptez notre tâche. On a même un avion dans notre phare. Vous avez un avion dans votre phare? Oh, ouais. Ça peut être intéressant. Et de l'essence? Bah écoutez, si on fait ce que vous voulez, et en échange, ce que je propose, c'est que vous nous donniez de l'essence et voir un avion, parce que du coup, moi, j'ai plus d'avion. Oui, ça me va entièrement. Ça vous va? Moi aussi, ça me va. Expliquer un truc. Ouais. Dans l'île, il y a 4 Skibidi qui sont un petit peu en galère. Il faudrait que tu les retrouves pour les aider. Et après, nous, on te donnera ce qu'il te faut. Il y a 4 Skibidi à retrouver? Oui. Exactement, parce qu'ils sont tous un petit peu dans la galère en ce moment. Ok, d'accord. Et vous, les 4, vous faites partie des 4? Ah ouais. Moi, par exemple, ma mission, c'est que tu devrais aller nettoyer tout le caca au niveau du machin, là-bas. Au niveau du volcan, là? Ah ouais.
Ouais, il y a eu une implosion de caca en fait. Il y a eu une explosion de caca? Ouais, voilà. Ah ouais. Oula, le volcan il fait du caca. Ouais. Et vous êtes sûr que c'est pas un coup de Skibidi toilette ça? Non, lui ça, il ferait pas ça. Il est en train de pleurer parce qu'il arrive pas à faire une construction, mais tranquille. Ok. Ouais. Mario, il va falloir qu'on aille déboucher. Non, moi je veux pas venir. Eh Mario, écoute-moi, si tu veux qu'on reparte d'ici, il va falloir que tu m'aides un petit peu quand même. Il va falloir qu'on aille déboucher ce volcan rempli de caca. T'as le cadeau? Ouais. Tiens, tu vas faire d'une pierre deux coups, viens, je vais te montrer. Ouais, d'accord, qu'est-ce que... Dans le volcan, j'ai besoin d'une ressource. Ouais. Je t'explique. En bas, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Et vu que c'est plein d'eau, eh ben j'ai besoin d'une combinaison, et pour faire cette combinaison, j'ai besoin d'uranium. De l'uranium? Oui, et il y en a dans le volcan, je le sais. Il y a de l'uranium dans le volcan? Ouais. Exactement. Tiens, je te donne de quoi miner. Ok, et de quoi nettoyer le caca? Vous avez des éponges, vous avez des pelles, vous avez des trucs comme ça? Bah tu fais à la main, hein, tranquille. Oh non. Allez, ouais. Tiens, quelques petites éponges. Ah ouais, quand même, ouais. Donnez ça à Mario aussi, il va m'aider. Non, moi je l'aide pas, il fait ça tout seul. Ouais, donc quoi, on est tous les deux dans la galère. Trop choix, hein. On est tous les deux dans la galère, tu vas m'aider à aller nettoyer tout ça, hein. Ok. Tenez, si vous voulez des pelles, voilà. Je vous donne quelques petites pelles pour pouvoir nettoyer le caca. Ok, vas-y, tiens Mario, récupère la pelle, tac. Ok, nickel, bon, on vous fait ça. Allez Mario, plus vite on aura fini de bosser, plus vite on sera chez nous. Allez, go. Par contre, vraiment, les amis, là, on dirait... En fait, je pense que c'est vraiment le boss des Skibidi, hein. Vous avez vu, c'est vraiment le boss des Skibidi. Oh, elle est vraiment incroyable, cette statue. Oh là 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 là. Bon, Mario, écoute, il va falloir qu'on bosse tous les deux si on veut sortir de cet endroit, hein. Non, moi, tu le fais tout seul. Eh, je le fais pas tout seul, regarde là, tu regardes tout le caca qu'il y a là. Faut qu'on enlève tout ce caca là, allez, hop là, on enlève à la pelle, là, c'est parti, on charbonne. Hop là, tac, hop là, wow. Ok, c'est dégoûtant. Waouh, vous t'avez vu le volcan là? Ok, et par contre, il a dit du coup qu'il y avait de l'uranium dans ce volcan aussi qu'on pouvait trouver. On peut trouver de l'uranium. Qu'est-ce que c'est l'uranium? C'est une... Alors, l'uranium, c'est c'est une pierre radioactive. Voilà, et qui permet des fois de servir pour les centrales nucléaires, pour faire de l'électricité. Et c'est une énergie vraiment, enfin, c'est... grâce à ça, on peut faire de l'énergie genre sans polluer, tu vois. Il y a zéro émission à effet de serre. Alors qu'avec le charbon, tout ça, tu sais, on pollue. Et l'uranium, c'est la seule énergie qui permet de ne pas polluer. Donc, après, c'est radioactif, donc c'est un peu dangereux. Mais je pense que on peut en trouver du coup dans le volcan, comme il a dit. T'es où? D'accord. T'es où Mario? T'es là. Je ok. Là. Voilà, donc petite leçon pour les abonnés. Wow, Mario, attention. Fais attention. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose de là où t'es, Mario? Oui, je vois du caca. Tu vois encore du caca, mais on a tout nettoyé là, non? Non, il y en a encore dans le volcan. Wow, ok. Ah ouais. Vas-y, je crois qu'on va devoir aller là-dedans. Hein. Ok, attends, par où on va aller? Ok, je hop peux là. Faire un chemin. Ouais, il va falloir faire un chemin. Attends, on va voir comment on va faire. Hop là. Ok, attends, j'ai les éponges. Viens. Je vais utiliser les éponges au pire. Ok, hop là. Ok, hop là. Tac, vas-y, viens par là. On va aller par ici. Oh, j'ai réussi. Eh ouais, t'as réussi. Wow, il y a plein de caca ici aussi. Attends, là, je vais enlever. Ok, j'enlève le caca ici. Wow, il y a du caca là aussi. Hop là. Ok, vraiment, la maturité de cette vidéo. Je suis tombé dedans. Et à son paroxysme. Hop là. Ok, vas-y, on nettoie tout, hop là. Ok, si tu vois de l'uranium, tu me le dis, hein. Nous, on va vraiment avoir besoin d'uranium, Mario. Ok. D'accord, mais ça ressemble à quoi? C'est une pierre, c'est vert l'uranium. C'est radioactif, c'est vert, c'est plutôt stylé, ok? Voilà, et vraiment, et la mange pas, hein, parce que l'uranium, c'est super dangereux, hein. Il risque de te pousser un troisième œil. Wow, attention, regarde, attention, recule. On dirait qu'il y a un Skibidi qui protège le... Attends, il y a un Skibidi armé là en dessous. Fais attention, Mario. J'entends déjà un truc. Chut, cache-toi, Mario, cache-toi. On n'est pas armé. Ok, attends. J'entends déjà un truc là, c'est moi. Il y a un Skibidi, ok, attention. Ok, les amis, oh punaise, je suis coincé. Attendez, je suis coincé ici. Hop là, ok, on va remonter avec les éponges. Ok, et il y a un Skibidi, il était totalement armé. Je sais pas s'il était censé être là, mais en tout cas, il a l'air... Il était armé, peut-être qu'il protège une ressource importante. Peut-être que l'uranium est enfin là, Mario. Ok, attends, on va chercher. Hop là, attends. Ok, on nettoie ici. C'est quoi ces bruits à la fin? Sérieusement? L'uranium, on a trouvé l'uranium. Ok, Mario. Ok, attention. C'est pas possible. C'est quoi tous ces bruits, là? Tous ces bruitages?
Vas-y Mario, attaque-le Mario. Mais... vas-y. Wow. Vas-y Mario, attaque-le. T'as tout, t'as tes pouvoirs. Oh, y'a des intrus, T'as tes pouvoirs Mario, vas-y Mario. Occupe-toi de lui. Oh merci Mario, vas-y. Attends, je m'occupe de récupérer l'uranium. Ok, je récupère l'uranium. Ok, un bloc d'uranium, deux blocs d'uranium. Ok, trois blocs d'uranium. Ok, ça pète. Oh là là, les amis, j'espère que ça va aller. Ok, je récupère tout ça. Ok, les cinq blocs d'uranium. Ok, il va falloir se débarrasser. Voilà. Où est-ce qu'il est? Il est super fort. Il est où? Ok, attention. Aïe. Oh, je vais mourir. Ok, attention. Ok, il faut qu'on le bute. Qui êtes-vous? Dites-moi là. Nous sommes des réfugiés. Nous avons été recueillis par Skibidi TV et Skibidi Cameraman. Ça veut dire que vous n'êtes pas des intrus? Non, nous ne sommes pas des intrus. Vous auriez pu le dire avant. Hein. On nous a confié la mission. Ben oui, mais tu étais armé. On nous a confié la mission de venir récupérer, de nettoyer tout le caca qu'il y avait au niveau du volcan et de récupérer l'uranium caché dans le volcan. Ah ouais, bah enfin des gens qui vont s'occuper de ça, tiens. Eh oui, et toi, qu'est-ce que tu faisais ici? T'aurais pas pu récupérer l'uranium à notre place et nettoyer le caca du volcan? Il sert à rien. Ouais, la flemme, tu sers à rien. Non, il a rien dit. Vas-y, on ressort. Mario, viens. T'inquiète pas, frérot, nous on ressort. Arrête. Allez, vas-y, balance le caca dans la tête là. Tout. Allez, doucement. Là, il est me fait pas fou. Mal. Me fait pas mal. C'est vrai que je sais pas si on aurait vraiment eu trop de. Vu comment il est armé, je sais pas si on aurait eu nos chances face à lui. Bon, viens, faut qu'on remonte. Allez, c'est parti. Faut qu'on ramène ça aux deux autres. Je vous accompagne. Ok, donc déjà, on a réussi deux missions. Hop là. Mon nul en Mario. Ok, hop là. Pas gentil. Tac, hop là, tac. Ouais, okay. On ressort là. Je remonte d'ici, hop là. S'il te plaît, on dit. Ok, et de toute façon, les éponges, elles vont cramer quand il y aura une explosion volcanique. Hop là, c'est parti. C'est vraiment pas gentil, lui. Ouf, regarde, Skibidi TV nous attend là-bas. On va pouvoir aller le voir. Vas-y, vite, tu viens. Vas-y, go. Ok, attends, punaise, faut que je balance mes boules de caca dans la lave aussi. Attends, j'ai oublié de balancer tout ça. Hop là, tac. Ils sont vraiment pas gentils, ces Skibidi. Eh, les Skibidi, ils sont assez spéciales. Hein. Ça, c'est. Je suis bien d'accord avec toi. Eh, Skibidi TV, coucou. On est là. Eh, on a fini. Arrête. Regarde, on a nettoyé tout le volcan de caca et on a tout simplement récupéré l'uranium. Donc à ce qui paraît, il y a de l'uranium qu'il faut descendre dans la grotte. Je pense. Ah. Oh, c'est dégueulasse. Le Skibidi Cameraman est là. Wow, Skibidi Caméra, on est là. Bah, oh, je vois que tu as quelque chose qui m'intéresse. Eh oui, et on a croisé le Skibidi Cameraman noir dans le volcan. Ah oui, c'est un petit peu la police entre guillemets de l'île. Ah, c'est la police de l'île. Ok, bon alors. Ouais, il a un bazooka sur lui, faut faire gaffe. Ah, il a un bazooka. Oui, bah, on a vu qu'il avait une scar aussi. Tiens, je te donne l'uranium. On a trouvé l'uranium. Ah, c'est parfait. Je vais pouvoir enfin récupérer, enfin voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'île. Eh ouais. Eh, Skibidi TV, tu peux arrêter de me balancer des boules de caca dans la tête. Okay. Merci. Vas-y, je peux venir avec toi pour voir. Ouais, vas-y si tu veux. Ok, c'est parti, voyons voir où mène ce puits. On va voir ça tout de suite. Ok, et les deux autres, c'est qui les deux autres Skibidi qui vivent sur cette île? Alors, il y a aussi Skibidi Speakerman. Ah, Speakerman, ok, et qui d'autre? Exactement, et on a Skibidi Toilette qui est encore en train de pleurer là-bas, je pense. Skibidi Toilette, ok, et du coup, là, on va voir en bas ce qu'il y a. Ah tiens, ouais, tu vas m'aider. Ok. Trouve une clé anglaise qui est en bas, là. La clé anglaise? Ok, on va aller voir ouais. Ça. Alors, la clé... Attention, c'est assez immergé. Hein. Ok, ouais, je vais aller voir ça. Bon, on descend dans le trou, les amis, c'est un puits. Alors, on va voir ce qu'il y a dans ce puits, parce que il risque d'y avoir pas mal de choses, mais je sais pas quoi. Peut-être que c'est super dangereux, en plus. Donc, on va observer ça. Ok, donc le puits descend déjà très profondément. Ok, bah, en même temps, c'est un puits. Ok, tac, et qu'est-ce qu'on a? Oula, ah oui, c'est immergé, hein. Ah oui, c'est totalement immergé, mais attendez. Wow, ok, il y a une clé, la clé, elle est là. Ok, il faut que je récupère la clé. Et faut que je fasse quoi? Faut que je remonte? Faut que je remonte avec cette clé ou quoi? Eh, Mario! Mario! Oui. Je suis derrière toi, oui. Mario. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? On a ce qu'il faut là ou quoi? Oula, qu'est-ce que c'est? Bah, oui, je pense que tu as la clé. Ouais, j'ai la clé. Wow, il va falloir qu'on ressorte d'ici. Ne pas mourir. Ok, c'est bon. Vas-y, non, j'ai la clé, c'est bon. Hop là, allez. Go, c'est parti, remonter. Ah, ce qu'il dit, caméraman noir. J'ai trouvé la clé. Qu'est-ce que vous foutez encore là? Bah, ton collègue, ce qu'il dit, caméra, le gris, il nous a dit d'aller chercher la clé à molette. Mais déjà, vous êtes d'accord. Bon, bref, oui, allez remonter là. Ok. Qu'est-ce que vous foutez là? On remonte. Bah, je sais pas non plus ce que je fous là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Une question.
Ouais. Est-ce que tu penses que Skibidi Télévision, il peut regarder des matchs de foot sur sa télé? Skibidi Télévision, il peut regarder des matchs de foot sur sa télé? Ouais, je pense. Je pense qu'il peut tout regarder. On peut regarder. On peut tout regarder, je pense. Hein. On peut regarder Gulli, on peut regarder TF1, on peut regarder. On peut regarder Canal+, on peut regarder Al Jazeera, on peut regarder CNN, on peut tout regarder, je pense. Hein. Ok, c'est bon, je remonte, hop là. Ok, wouh. Ah, nous voilà, ce qui veut dire caméra, nous voilà. Ah. J'ai retrouvé ta clairvoyette. Ah, bon, c'est nickel. Ok, maintenant, écoute, nous, on aimerait bien rentrer chez nous, on a assez bossé ou quoi? Ah bah maintenant non, il faut régler le problème de Squiddy Toilette et de Speakerman. Oh, et ils sont où ces deux-là? Alors viens, je vais t'emmener à Squiddy Toilette. Vas-y, vas-y, allez viens Marion, on doit aller voir Squiddy Toilette. Voyons voir où j'ai vraiment pas envie moi. Ouais, moi non plus. Je veux juste rentrer, faire du pizza. Ouais, moi aussi j'ai envie de rentrer, j'avais même envie d'aller en vacances de base quand même hein. J'avais envie d'aller oui, en vacances. C'est vrai. Okay. Vous pouvez rester ici, c'est paradisiaque. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Non, il y a rien. Oh, Squiddy Toilette. Je vous laisse avec ce machin. Ouais ouais bien sûr. Squiddy Toilette, descend d'ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à construire ma statue. Ta statue? Oh oui. J'arrive plus sur une statue de moi mais j'arrive pas. Comme la grosse là-bas là? Oui. Oh pauvre Squiddy Toilette. Bon tu veux qu'on te fasse quelque chose? Oui. Ok, t'as des blocs, t'as des trucs comme ça? Ouais, je te passe les droits. Ok, parfait. Super nul. Écoute, on va te faire une petite statue. Bon, ça sera pas parfait, mais ça fera l'affaire, ok? Ouais, ce sera bien mieux que mes trucs de caca dans le volcan. Ok, ne bouge pas. Ah, c'est toi qui as mis le caca partout dans le volcan. Non, j'ai rien dit. C'était donc toi, mais c'était sûr que c'était toi, ce qui me dit toilette. Mais, Lalcaro, il y a une plateforme derrière toi. Il faut la faire sur la plateforme, ok. Tiens, attends, regarde. C'est lui. On va faire ta petite statue, regarde. Hop là, regarde. On va faire une très bonne statue. Oui. Il y a quelqu'un avec une grosse enceinte JBL sur la tête, il est en train de se balader. Wow. Qui c'est lui? Je crois que c'est Speakerman, ça. C'est le dernier Skibidi qu'il faut aider, je crois. Donc voilà, mais là, pour l'instant, il faut que tu m'aides à faire les toilettes, Mario. Mais moi, je sais pas faire de toilettes. Tu vas m'aider, bouge-toi les fesses un petit peu, Mario. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi, là. Bouge-toi les fesses. Tiens, allez. Moi aussi. Tu crois quoi? Tiens. Oh, le gros bébé, il a enfin trouvé quelqu'un pour faire les toilettes. Encore un Skibidi à l'avoir robotisé. Mais décidément, vous aimez ça, vous. Hein. Ah ouais, t'as vu ça? Eh ouais, vous aimez trop ça. Hein. Bon, alors, regarde. Eh oui, bibabou babou, hein, c'est un gros bébé, Skibidi Toilette. Hein. Regarde, on est en train de lui faire ses toilettes. On est en train de lui faire ses toilettes. Tac, tac, tac. Le JBL. Tac. JBL, faut que tu sois un peu plus gentil avec lui. Encore une fois JBL et je te foudroie. Oula, il s'appelle pas JBL, il s'appelle Speakerman Mario, il s'appelle pas JBL. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Waouh, voilà, Mario, est taré. Il vaut mieux que tu sois calme si tu veux qu'on rentre chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, c'est parfait. Ok, bon, du coup, on fait la cuvette. J'espère que ça va lui convenir, hein, quand même. J'espère bien que ça va lui convenir parce que moi, voilà, pour faire des toilettes, bah, je fais pas des toilettes tous les jours, quand même. Hein. Bah, s'il est pas content, c'est lui qu'on va taper. De quoi? S'il est pas content, c'est lui qu'on va taper? Ouais, ça, oui, c'est. On l'a tabassé. C'est. J'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là, quand même. T'as vu les bibis? Comment les bibis? Ouais, je les ai vus, ils sont pas présents, Mario. Les bibis, ils sont pas présents. Moi, j'ai le gros bibi. Ça doit être ça, Mario. Tiens, Speakerman, tu peux te déranger parce que tu nous déranges, en fait, tout simplement. On est en train de bosser, là. Bouge de là, JBL. Bouge de là. On est en train de bosser, là. Le provoque pas plus que ça, Mario, s'il te plaît. Le provoque pas plus que ça. Non, c'est bon. Regarde, on finit, Speakerman. Après, on vient t'aider. À ce qui paraît, t'as un petit problème aussi. T'inquiète pas, frérot. On va venir t'aider. Il manque une case et j'ai du mal à faire un truc. Ok, parce que c'est notre métier. Tiens, vas-y, du beige, il faut du beige. Beige, béton, non, terre cuite. Regarde, terre cuite. Regarde, on fait. Elle est combien ta statue comme ça là, ce qui me dit toilette? Je lui mets 9 sur 10. 9 sur 10, regarde, on finit. Je fais la tête et après j'ai terminé. Hein. Regarde, hop là. Et là, je crois que j'ai fini. De toute façon, tu as intérêt à être content, le chauve. Eh ouais, le chauve, t'as intérêt à être content. Parle pas comme ça, toi. Je vais mettre une tarte, mon gars, tu vas voler jusqu'à la lune. Oh, doucement. Eh, Mario, vous êtes fou. Mario, tu provoques peut-être un peu trop, je pense. Hein. Je pense que tu provoques mais trop. Mais c'est hein. eux. Eh, Mario. Oula.
Et doucement, calmez-vous, regarde. Ok, regarde, c'est bon, j'ai fait la tête, regarde. C'est bon, je prends un peu de noir, je fais les yeux et j'ai fini. Mais incroyable. Ta statue, regarde. T'es là, pas un poil sur le caillou. Hop là, c'est bon, regarde. J'ai fini ta statue. C'est bon, ouais, regarde. Y a bien. Hop là, regarde. Ses yeux, on aurait dit Nemo. Et ouais, regarde, c'est bon, la statue, elle est validée. Ouais, elle est validée. Ouf, ok, bon alors voyons voir quelle est la dernière mission. Alors Speakerman, que faut-il faire pour qu'on puisse enfin rentrer chez nous? Allez, viens, je vais te montrer. Tiens Mario, viens, on va aller voir ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde, oh, oh. Je pense que tu vas comprendre. Ok, qu'est-ce qu'il y a Mario? Tu as vu ou pas? Il a pas un poil sur le caillou, le toilette. Eh oui, il a pas un poil sur le caillou, je suis bien d'accord avec toi. Bon, et bon, en vrai on s'en fout. Quelle mission il y a à faire? Peux-tu trouver les 7 différences entre les deux images? Tu veux vraiment qu'on fasse ça pour repartir chez nous? Ouais. Ok, les 7 différences. Trouvé, ouais, là, si ça déjà. Pas, okay. Je peux te donner plus dur. Non, t'inquiète, 7 différences. On va faire le jeu des 7 différences. Les amis, vous allez faire le jeu des 7 différences avec nous. Ceux qui trouvent les 7 différences, vous me le dites en commentaire et je like votre commentaire. Alors, voyons voir. Déjà, je crois en voir une. Il y a l'oreille, déjà de 1. L'oreille, ok, ça fait une. Ok, Mario, si t'en vois, tu me dis. Hein. Mario, si tu me vois, le bandeau rouge. Les yeux, ouais, les yeux, ça fait 2, ils sont pas de la même couleur, 2. Il y a le gant rouge, là il est rouge et là il est blanc, ça fait 3. 3, la chaussure, elle est verte ici, là elle est rouge, ça fait 4. Ok, on a 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La chaussure de droite, il a pas la bande. Ah oui, 5, la bande blanche là est 5. Ok. J'en ai une. Il y a la queue, ça fait 6. Ok. Ses doigts. Et ses doigts, ses doigts. Ah oui, il lui manque un doigt, ça fait 7. On a trouvé les 7, c'est bon? Ah ouais, c'est bon. On peut repartir chez nous. On peut remarquer une JBL. Ok, et où est-ce qu'on peut tout trouver chez nous? Où est-ce qu'on peut tout trouver pour rentrer chez nous? Attendez, je vais appeler le Skibidi garde du corps, je reviens 2 secondes. Ok, d'accord. Bon, ils sont complètement fous, ils vont même pas nous payer, ils sont fous. Eh, ils vont pas nous payer, ils vont nous donner de l'essence. Coucou. Ah, coucou, ça va? Ouais, bah allez, venez. Ah ok, on vient, ok. Alors, voyons voir, le Skibidi, enfin Speakerman nous a dit que tu t'allais nous dire comment rentrer chez nous. Ouais, venez, c'est dans le phare, okay. J'ai tout ce qu'il faut. C'est dans le phare? Ah, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu explorer le phare avant d'aller les voir. Alors... Et dans le phare, du coup, il y a de l'essence et il y a un avion, c'est ça? Exactement. Okay. Alors, l'avion, je vais le poser moi-même. Mais... Ok, alors voyons voir. Oh, un coffre. Ok. Oh, il y a de l'essence. Ok, je prends les 2 grosses jerrycans d'essence et je prends les 2 autres qui vont nous servir, eh bien, au cas où. Ok. Et l'avion, on descend en bas? Attends, ouais, l'avion. Je vois la vue qu'on avait. Ok, on avait une bonne vue. Ah oui, on avait une bonne vue sur tout, hein, sur toute l'île et tout. Ok, ok. Ouais, je vous ai vu arriver. Les avions sont en bas. Les avions sont en bas, ok, oh parfait. Ok, je descends, ok, je vais remplir mon avion d'essence du coup. Hop là, c'est parti, je descends. Et donc, voilà, ok. Tac, c'est parti, je remplis ça d'essence. Mario, on va pouvoir rentrer chez nous. Je vais remplir ton avion d'essence, ok. Attends, t'as un cadeau, ton ami, il a perdu la tête. Ouais, il a perdu la tête, mais c'est normal, t'inquiète pas, c'est la façon dont il s'installe. Mais tu te prends pour qui? C'est la façon dont il s'installe dans un avion, t'inquiète pas, c'est totalement normal. Ok. Je peux m'envoler avec vous parce que ici c'est pas très fameux, je vais vous avouer, mon travail c'est un petit peu nul et tout. Tu veux? Non, tu restes ici, toi. Toi, tu veux rentrer avec nous, toi? Non. Mais le travail il est nul. Non, on y va. Nous en plus, on part en vacances, nous. Allez, du coup, on décolle et c'est parti, direction les vacances. Ciao. Ok, du coup, nous partons en vacances. C'était Talcado. Ciao, les potes.